L'événement football du week-end, c'est à Marmande avec cette rencontre qui va débuter dans quelques instants entre le FCM 47 et le SU Agen. Ensuite, s'en suivra une soirée partenaire organisée dans l'espace VIP du TNT. Une soirée organisée par le FCM 47 pour remercier l'ensemble de ses partenaires qui les suivent tout au long de l'année. Véritable plaisir de m'adresser à vous tous et de vous souhaiter la bienvenue. Vous, partenaires institutionnels, mécènes privés, amis, bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres et joueurs. Vous, ayant répondu à notre invitation et vous qui contribuez, effectivement, comme l'a dit, à la bonne marche de notre association. Je voudrais mettre en avant mon 350 licenciés, des plus petits, des enfants de Greg Bousset, de Bertrand Kimika, qui sont les aînés, les plus grands, les vétérans également, les 30 éducateurs qui s'activent à la bonne marche de ce club, cet arbitre aussi qui les week-ends officie sur les terrains de la Ligue Extrême de football, une trentaine de dirigeants et tous les week-ends plus de 50 bénévoles, c'est-à-dire c'est environ 500 personnes qui se mobilisent pour le plaisir du football. One day you will have to answer to the children of the sky. Je finirai bien évidemment par les partenaires de la soirée. Alors certains vont être présentés, d'autres ont tenu à rester un petit peu plus dans l'ombre. Donc en premier lieu, je voudrais remercier sincèrement pour leur accueil dans ce lieu festif de nature. C'est Nathalie et Thomas Souvert. Donc merci au TNT, donc au maître des lieux, le centre Leclerc,
qui sont notre partenaire privé depuis des années, le plus important d'ailleurs, mais aussi l'un des plus fidèles. Donc voilà. Et donc on va saluer aussi donc, les deux autres partenaires un petit peu de la soirée, seront donc les quatre du Marmandais, qui ont les relations de mer sur de superbes bases, et ainsi que les cuisines Pizalign qui sont le partenaire de la soirée. Il est venu, il va nous dire un petit peu pourquoi, pourquoi aujourd'hui il s'est un peu associé au WebSend 47. Qu'est-ce qui lui a plu dans l'approche de Jean-Philippe Dujens et de tous ses bénévoles? Bonsoir à tous. Donc, l'accueil Marmandais aujourd'hui est une équipe jeune. Donc, comme le dit le président, on présente et on aime les valeurs du sport, la valeur de partage, l'esprit d'équipe. Donc, c'est naturellement que l'accueil Marmandais s'est tourné vers l'FCM et le football. Bon, et l'accueil Marmandais aujourd'hui? Une équipe jeune, d'autres idées, un nouveau départ, une ambition, envie de réussir. Je pense que le pari est en train d'être réalisé, donc on est vraiment heureux. Et le fait d'être parmi vous ce soir, c'est vraiment une preuve qu'on est vraiment présent sur notre territoire et surtout le Marmandais. Même question pour vous, vous avez décidé d'accompagner le FCM 47, pourquoi? Pour le FCM, je n'en sais rien. Au revoir. Il m'a dit prépare un speech parce que ce soir, vous t'expliques pourquoi le FCM. Honnêtement, c'est la première fois. Ce soir, je suis allé voir un match de foot. Alors, plus à la ligne, pour nous présenter. Ça, le magasin, donc maintenant, à 2 ans, depuis le mois de mars déjà, ça a rajeuni pas l'histoire. Au niveau de l'ancienneté, moi, ça fait 10 ans que je fais des cuisines. Donc, on essaie de créer, d'innover, de faire des choses que l'on ne voit pas ailleurs. Au niveau de la société, on est en progression, donc tout va bien. Il faut que ça continue comme ça. Et voilà, nous sommes cuisinistes et surtout pas vendeurs de cuisine. Eh bien, écoutez, on applaudit elle aussi, on la remercie. Je crois qu'il y a un petit cadeau pour elle. Voilà. Tous les proverbes ne sont pas que des conneries. Prenez par exemple les dictons météo. Ben souvent, ça se vérifie. Noël au balcon. Non. C'est pas compris, j'ai dit qu'il se vérifie. Noël au balcon, enrubé comme un coq. Souvent, vous voyez, les plus vérifiables, ce sont les proverbes des vieux marins bretons. Quand la mouette vole face au vent, c'est signe d'un mauvais temps. Mais si elle lui tourne le cul, eh ben il fera pas beau non plus. Et croyez-moi, ça à Brest, ça se vérifie toujours. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? On ne peut que louer cette initiative du FCM avec cette soirée partenaire. Alors, ici, c'est ce qu'il faudrait faire partout. Je voudrais dire à tous ceux qui se trouvent parmi nous que Marmande, qui est un club de football, c'est un club sain, c'est un club qui travaille en profondeur, c'est un club qui travaille pour l'avenir. Vous avez entendu tout à l'heure les titres qu'ont apportés les jeunes. Ce que les moins jeunes sont en train de bâtir également, je peux vous dire que ici, on vit le football à 100% et nous sommes très fiers de ce qui se passe au FCM. Et je tenais vraiment à le remercier pour son investissement au niveau du football au Pégaronnais, en lui remettant là aussi un magnum de cadre du Marmandais avec un petit mot de la soirée partout. Voilà, merci encore Pierre, très sincèrement. Merci, je suis très touché. Et bonne retraite, même si je sais qu'on te verra au bord des terrains. Encore merci. On peut applaudir bien sûr. Merci à Pierre Monservin pour ce qu'il a fait pour le football de Pégaronnais. Dans un club, il faut un capitaine, il faut des capitaines, il faut le capitaine qui va tirer vers le haut, qui va fédérer, qui va animer, qui va dynamiser, qui va prendre en compte toutes vos idées, qui va également mettre en commun toute cette énergie, toutes ces imaginations qui font que votre club, les 350 licenciés, eh bien, ils vont donner du plaisir à tout le monde. Pour cela, eh bien, il faut
un dirigeant hors pair. Vous en avez un parmi vous. C'est votre président. Et le football Lot-et-Garonne a décidé de l'honorer et de lui adresser toute sa gratitude en lui décernant la médaille d'or du district de football de Lot-et-Garonne. Vous pouvez l'applaudir. Merci Jean-Philippe. Justement, on le dit souvent, Marmande est une ville sportive. C'est vrai. Marmande, c'est exactement 76 clubs sportifs de toutes catégories. Et c'est vrai que nous avons, je crois, 7000 licenciés à Marmande. 18 000 habitants, 7000 licenciés. Bon, ils ne sont pas tous peut-être habitants de Marmande, mais c'est pas mal. Et grâce à l'Office municipal des sports, nous arrivons avec la municipalité. On dépense pratiquement plus d'un million d'euros pour les associations. Je ne sais pas si on pourra continuer. Soutien très important, donc. Mais c'est un soutien très important qui vaut facilement, à mon avis, deux ou trois escadrons de gendarmerie ou de CRS. Et ça permet aux jeunes d'être sur les stades plutôt qu'aller faire des conneries à droite ou à gauche. Voilà pourquoi le maire de Marmande et tout le conseil municipal, on est très, très, très content de voir que les clubs, ça marche, ça intègre, ça leur montre où est l'effort, où la solidarité, l'amitié, la convivialité. Et voilà pourquoi ce soir j'étais très content, même si j'aurais préféré que ce soit quand même le FCM qui gagne. Mais entre nous, on a peut-être perdu, mais on a été quand même ceux qui ont joué le mieux.